Hello Mathilde Gourmande, alors aujourd'hui, deuxième vidéo, on va faire une recette très simple que je fais souvent d'ailleurs parce que j'aime beaucoup cette recette, aussi simple qu'elle est. En plus de ça, vous allez pouvoir ne plus acheter des goûters pour vos enfants. C'est la recette classique du gâteau au yaourt. Donc, les ingrédients sont là, je vous noterai tout comme habituellement en dessous de la recette. C'est parti. Je vais vous montrer comment on pulvérise du sucre en sucre glace au Thermomix. Il n'y a rien de plus simple. Donc on se met sur la balance par exemple. On met le sucre. Alors, soit vous fermez le couvercle ou alors vous mettez un petit sopalin pour éviter de salir votre couvercle. Mais bon, c'est pas obligatoire. Moi, je le fais pas, mais je vous donne quand même l'astuce. Et on va simplement pulvériser, donc 10 secondes. Voilà, donc ça c'est vraiment la vitesse maximale du Thermomix, d'accord? Et pour quelle raison, voilà, vous voyez, je vais vous montrer un peu. Vous avez vraiment du sucre glace. Vous voyez, ça fume de toute façon. Alors ensuite, on va y ajouter les œufs. Puis la farine. Vraiment tout dans le bol, la levure chimique, le yaourt nature maison également fait au Thermomix, je vous ferai certainement une vidéo avec. Alors moi je rajoute de l'arôme de vanille, après ça c'est vraiment optionnel. Mais c'est bon aussi. De l'huile neutre. Et une pincée de sel. On referme. Voilà. C'est vraiment très simple. Et on va programmer 1 minute à peu près. Et vitesse 6. Le cake nature, le cake sucre perlé, celui aux pommes caramel et celui au chocolat. Donc là, on va les laisser tout simplement reposer. Et puis, je vous montrerai le démoulage parce que là, c'est un peu, ça doit être un peu chaud quand même. Voilà. Donc, on laisse refroidir et puis on se retrouve après pour le démoulage. Voilà, donc une simple base de gâteau yaourt. 4 petits cakes pour vos loulous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager un maximum. Je compte sur vous.